Ici dans cette page, on a Google AdSense et de l'autre côté, on a un site web et une chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir ici, on est le 7 septembre et je pense que le mois commence bien. Jusqu'à la fin du mois, c'est-à-dire du 21 au 25, je vais peut-être arriver dans les $300 ou $350 des revenus passifs qui génèrent ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous donner des business à lancer maintenant. Les deux business que je vais vous montrer tout à l'heure sont parmi les meilleurs business que je gagne déjà de l'argent et je vais partager avec vous gratuitement. Comme vous pouvez le voir ici, à chaque fois, je reçois un email de PayPal et je vais tout vous dévoiler dans cette vidéo. Mais je vais vous aider et essayer d'être clair. Cette vidéo n'est pas faite pour ceux qui veulent gagner de l'argent rapidement ou sans rien faire, mais pour ceux qui veulent créer un vrai business. L'avantage avec ces deux business, c'est tout ça que moi j'aime. Même si vous dormez, vous pouvez toujours gagner de l'argent en mettant tout en place, bien évidemment. Premier business va demander quelques dizaines de dollars pour débuter. Je vous rappelle que ce que vous pouvez investir est à partir de 14 dollars, soit 7000 francs CFA seulement pour commencer. Deuxième business va vous demander rien, c'est-à-dire que vous pouvez vous lancer gratuitement et travailler pour vous, pas pour un patron. Comme vous me connaissez, j'aime pas trop la théorie, mais plutôt la pratique. Là, je vous montre concrètement en quoi consiste ce business. Ok, si tu viens de me découvrir aujourd'hui, ici, je te donne les méthodes simples pour faire de l'argent en ligne et pour de vrai. C'est pourquoi dans toutes mes vidéos, je te montre toujours étape par étape, c'est-à-dire de A à Z. Donc, n'hésitez pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification et n'oublie surtout pas à liker cette vidéo. Une fois que tu as fini de faire tout ça, ok, on est parti. Je vous ai réservé un business que vous pouvez lancer gratuitement et commencer à gagner de l'argent. Et à la fin, je vous montrerai des méthodes inédites que vous pouvez travailler sur ça, ok? Installez-vous et prenez note de tout ce qui sera utile. Le business numéro 1 que je vais partager avec vous et qu'avec ce business, une fois lancé et bien travaillé, ben vous le savez, quand on lance un business et qu'on a bien travaillé, selon vous, c'est quoi la suite? C'est pour gagner de l'argent, bien évidemment. Le premier business, ça va être de créer un blog. Si vous regardez sur YouTube, la plupart des vidéos parlent de combien ils gagnent avec l'affiliation ou autre, mais vous ne connaissez pas comment ils gagnent concrètement. Prenons par exemple l'affiliation. Pour bien faire l'affiliation, vous ne pouvez pas partager les liens d'affiliation n'importe comment. Ça ne marche pas comme ça. Dans cette vidéo, je vous montre selon mon expérience. Ici, on va approfondir en deux étapes pour le premier business. On va parler des blogs et un groupe Facebook. Créer un site internet pour moi, c'est un investissement, ok? Supposons que je vais faire de l'affiliation sur une formation de perte de poids. Et je veux que les gens achètent la formation venant de mon lien. Ce que je dois faire, c'est d'écrire des articles sur la perte du poids. Et je vais faire en sorte que mes articles résout vraiment un problème avec des explications pour convaincre les lecteurs à acheter sur ma page, c'est-à-dire via mon lien. Mais avant de lancer ce business, il est très important d'avoir un nom de domaine et un hébergeur. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un nom de domaine? Je dirais un nom de domaine, c'est comme votre numéro de téléphone. Exemple, google.com appartient à Google, youtube.com appartient à YouTube. C'est ça ce qu'on appelle nom de domaine. Donc vous aussi, vous pouvez acheter votre propre nom de domaine. Si je viens ici sur ce site qu'on appelle AA Hébergement et je cherche par exemple infobusiness4.com. Vous voyez que le nom de domaine infobusiness4 est pris par quelqu'un d'autre. En bref, c'est ça la signification d'un nom de domaine. Et c'est quoi un hébergeur ou ce qu'on appelle hébergement? Bon, là c'est comme un ordinateur où vous pouvez stocker tous les fichiers de votre site. En fait, c'est un serveur que vous pouvez stocker les fichiers de votre site, les photos que vous utilisez, etc. Donc en gros, c'est ça. À l'occurrence, il y a plusieurs entreprises qui ont conçu leur serveur, mais vous pouvez payer par année ou par mois pour protéger votre espace sur internet. On a plusieurs, bien évidemment, comme hostinger.com, ahébergement.com, et je vous mettrai tous les liens en description de cette vidéo si vous êtes intéressé. Alors, deuxième avantage que vous pouvez le faire pour le premier business, c'est de créer un groupe Facebook. Lui aussi peut vous aider à générer de l'argent sur internet. Si je viens ici dans mon compte, vous voyez que avec Facebook, vous pouvez créer un groupe et commencer directement à partager votre intérêt. Moi par exemple, je viens de créer un groupe Facebook qui s'appelle Info Business 4 et je compte faire quelques activités avec ce groupe. Mais la raison majeure ici, c'est de gagner de l'argent. Je vais vous donner quelques conseils pour ceux qui veulent créer vraiment un groupe Facebook. Si tu veux par exemple te lancer dans un groupe Facebook ou la création d'un blog, un site internet, soyez totalement focus et travaillez sur ça. Tu es sûr que tu vas gagner de l'argent avec, donc tu vas mettre ton énergie sur ce groupe là. Tu vas commencer
à poster régulièrement pour attirer beaucoup de monde sur ton groupe Facebook. On a aussi deuxième moyen pour gagner de l'argent avec un blog, c'est tout simplement les revenus publicitaires AdSense. Si tu crées ton site internet, AdSense va te donner un code que tu vas insérer sur ton site. Si les visiteurs viennent sur ton site internet, les pubs qui vont passer, c'est la même avec YouTube. Donc quand on fait des vidéos, c'est le revenu qui tombe dans notre compte étant que créateur de contenu. Et troisième avantage avec un blog, c'est que j'appelle site internet, tu peux faire des articles comme je viens de te montrer, sur une formation, sur d'autres services, des logiciels. Donc c'est vraiment ça les trois piliers avantages que je voulais partager avec vous sur le business numéro 1. C'est de se lancer sur YouTube. Et oui, je sais de quoi je parle. Donc, si tu as un téléphone ou un ordinateur, lance-toi et crée une chaîne YouTube maintenant. Je vais te donner un exemple. Comme c'est YouTuber, et si je prends les noms de sa chaîne YouTube, je viens par la suite insérer dans ses logiciels qu'on appelle Social Blade. Regardez par toi-même les montants qu'il gagne par mois. C'est incroyable. Là, on a cette chaîne, parlons de business. Elle gagne en moyenne 6 000 $ par mois, rien qu'avec ses vidéos. Là, on a Squeezie. Et comme tu peux le voir, je clique sur recherche. Il gagne en moyenne 280 000 $ par mois, rien qu'avec ses vidéos. Et pour que tu vois clair de ce que je parle, regardez ce nouveau YouTuber. Il vient à peine de commencer, même pas une année. Là, je vais copier le nom de la chaîne. Et ici, dans cette case, je vais cliquer sur rechercher. Comme tu peux le voir, par toi-même entre 260 $ par mois. Tu as certainement tombé sur l'une des vidéos de la chaîne Lama Fâché. Il ne s'est jamais montré son visage. Alors tu n'as pas l'idée de combien cette chaîne rapporte par mois. Regardez par toi-même. Cette chaîne, rien qu'avec les vidéos, rapporte en moyenne 77 000 $ par mois selon une estimation Social Blade. Tu peux gagner de l'argent grâce à des publicités sur tes vidéos. À savoir que tu n'es pas payé par visionnage des vidéos. Tu es plutôt payé pour les moments où quelqu'un regarde ou clique si une annonce est diffusée sur tes vidéos. Cela signifie que tu peux gagner de l'argent sur YouTube. Si tous les YouTubeurs qu'on a vu tout à l'heure gagnent leur vie sur YouTube en publiant des vidéos, et si moi je gagne déjà de l'argent avec ma chaîne YouTube, tu peux toi aussi commencer à gagner de l'argent autour de YouTube. Alors qu'est-ce que j'appelle autour de YouTube? Cela signifie qu'il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent avec YouTube. Moi par exemple, dans plusieurs de mes vidéos, je mets souvent des liens qui me génèrent un peu d'argent à côté, en dehors de YouTube. Bien évidemment, saisissez cette opportunité maintenant. Un bonus que je voulais te donner ici dans cette vidéo, c'est juste d'être focus. Si tu penses que vraiment c'est ton business qui va t'aider à avoir ta liberté, qui va t'aider à changer de vie, il faut prendre ça en sérieux, travailler comme un malade. Ça veut dire que tu peux refuser même de dormir pour travailler sur ton projet, sur ton entreprise. Étant jeune, tu dois travailler rien que pour ton business, pas pour un patron. Parce que quand tu travailles sur ton business, même si tu gagnes rien, tu n'as pas l'impression que tu travailles pour rien, parce que tu travailles pour toi seul. Même si tu gagnes rien, 2, 3, 1 mois, ce n'est pas grave, c'est ton business. Donc c'est vraiment ça, ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo.